Pompadour, la deuxième étape des CIR proposée par la Société Hippique Française, accueillait les 4, 5 et 6 ans de la région Nouvelle-Aquitaine. Et quoi de plus naturel qu'une victoire anglo-arabe, ici, au haras national, berceau de l'élevage de la race. Au niveau historique, l'administration des haras, après-guerre, a demandé à Pompadour de produire des étalons, parce que avec la motorisation, les élevages de chevaux diminuaient, et il fallait sauver cette race. Donc Pompadour a produit effectivement beaucoup d'étalons et a permis à la race anglo-arabe de repartir. La jumenterie a toujours produit des anglo-arabes dans les différentes disciplines. Elle continue à vivre tant que le haras de Pompadour saura défendre cette jumenterie, ce domaine. C'est un patrimoine vivant. Et puis quand on aime cette race, on ne peut pas s'en séparer. Donc l'élevage est encore là et c'est de perdurer. C'est donc Amble de Pompadour, fière représentante de l'élevage appartenant à l'IFCE, qui s'impose chez les 4 ans. Une reconnaissance pour ces passionnés qui se sont battus pour préserver ces précieuses souches. Moi j'avais monté la grand-mère, c'est une très bonne souche. Et le dicton qui dit « bon sang ne saurait mentir » se vérifie encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de gagnants dans cette famille. Je suis très fier de voir une de ses petites filles gagner le CIR de Pompadour. Avec une note de 16 au modèle et un double sans faute, la jeune anglo-arabe n'a rien à envier à ses rivaux selle français. Elle a pris un petit peu plus de force que sa maman, ce qui lui manquait aussi. Et après, elle a pris le respect et le sang de sa maman. Donc voilà, oui, c'est quelque part, c'est assez valorisant. Et c'est une concrétisation en fait, de tous les efforts qui sont faits tous les jours et depuis des années par des générations qui sont passées à ma place et qui passeront après moi aussi, j'espère du moins. Donc c'est très valorisant et c'est pour tous les moments où on se pose des questions, et bien là on se dit tiens au moins ça nous fait du bien. Et aujourd'hui encore, cette race endurante a prouvé sur cette étape qu'elle reste très compétitive et on l'espère pour encore bien des années. Côté 5 ans, c'est DS de Maillet, jument selle français qui s'impose avec un total gain de 1394 à l'année. Montée par Stéphane Thomas, elle réalise les deux tours parfaits. Une jument très gentille, assez facile au quotidien et avec un top respect. Elle n'a pas le mauvais côté de l'Arc de Triomphe que tout le monde raconte, c'est-à-dire que c'est une jument simple et au quotidien et très respectueuse sur les barres. Elle ne veut pas toucher les barres, donc il y a moins de soucis déjà pour faire du concours. Les objectifs proches, elle va faire la finale de Fontainebleau et ensuite elle va repartir chez son éleveur pour être poulinière l'année prochaine, pour regarder la souche et pour promouvoir ensuite l'élevage français. Destin de Scadi, monté par Marie Demonte, et Dis-moi tout Jack, présenté par Michael Trentin, complètent le podium. Enfin, chez les 6 ans, c'est l'épreuve au chronomètre qui a révélé Calou Dutoué. Elle s'impose sous la selle de Jérôme Gachignard en bouclant le tour parfait en 70 secondes. C'est une jument très très courageuse, très respectueuse et puis surtout très très maniable parce qu'au chronomètre elle est toujours dans les 3 premières des 6 ans cette année. Et puis aujourd'hui j'ai dit je tente le sans faute et puis la rapidité et elle a vraiment répondu présente tout le parcours. Vraiment c'est une jument très 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 compétitive, ce qu'on appelle vraiment un cheval de concours. Ah, j'adore, en plus comme c'est moi qui l'ai débourré et puis je l'ai monté 4, 5, 6 ans, donc j'espère aller le plus haut possible avec. Cactus de Roy et Rémi Dequet terminent à la deuxième place du championnat en 72 secondes sur l'épreuve au chronomètre. Et Calypso d'Ulysse, monté par Mathieu Bonnet, termine troisième avec un temps de 74 secondes. Avec près de 200 participants, l'étape de Pompadour s'achève. Place au Lion d'Angers pour la troisième étape de ces concours interrégionaux de saut d'obstacles.